Allez, bonjour à tous. Nouveau déballage Momox. Hein. On est reparti. Il y a plusieurs commandes là. Donc il y a des trucs qui vont arriver. Oh, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais voilà, je complète petit à petit. Il y a des CD compilations qui vont arriver. Alors, je ne sais plus trop ce que c'est, ça. Je pense savoir, c'est un peu carré. Je pense ça. Ah, ouais, je ne sais plus trop à force. Ça met quand même du temps à arriver, hein, Momox. Hein. Et un disque vinyle. On va voir ce que c'est. J'ai pris état acceptable, ce que je ne prends jamais. Je ne prends jamais d'état acceptable. Je prends toujours bon état ou à offrir, les marques. Là, j'ai pris état acceptable pour un disque vinyle. C'était 5 euros, je crois. 5 euros et des poussières. J'y allais à 5 euros, je vais tester. J'ai franchement peur. On va voir ça. Allez, on attaque le CD, DVD, livre, je ne sais pas. Je sais plus trop. C'est un peu bizarre. On va voir. Ils ne se sont pas trompés. Donc pour info, ouais, mais pour l'instant, chaque fois qu'il y a des erreurs de Momox, je suis remboursé. Hein. Je le dirai le jour où je serai plus remboursé. Ah oui, il y a un livre. Qu'est-ce que c'était le livre? Je ne sais plus. Ah, on commence par un DVD. Que je n'ai pas. Non, ouais. Juste avant de réfléchir, parce que j'en ai acheté un chez Momox. Enfin, un DVD, c'est un Blu-ray. C'était Queen, mais c'était l'autre. C'était. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et les couleurs sont un peu violettes aussi. Donc, j'avais pas Queen Night at Odeon. 6 euros, je crois. Donc, vraiment pas cher. Je l'ai vu au Leclerc. Alors, au 9, bien sûr, au Leclerc. Il était à 10 euros, donc c'est pas très cher. Mais là, c'est encore moins cher et je sors même pas de chez moi. Donc 6 euros le DVD de Queen, Night at Odeon. J'ai hâte de le voir aussi parce que c'est un super concert. Et je reparle des éditions Agostini, hein, il y a des vidéos que j'ai faites sur les éditions Agostini. Waouh, c'est énorme. Le son, il est dantesque. Franchement, tous les concerts sortis chez De Agostini sont vraiment fabuleux. Donc, dont ce Night at Odeon. J'aime beaucoup la présentation. Le boîtier est parfait. Bon, il est crade, hein, mais ça, c'est. On connaît Momox, hein, voilà. Mais. Beau boîtier. On va voir ce qu'il y a dedans. Ah oui. Ah, c'est bien. Pour 6 euros livré chez soi, on aurait tort de. Et le. DVD, enfin le Blu-ray. J'ai toujours DVD, moi je suis habitué au DVD, plutôt je suis encore bien à l'école. Hein. Ouais, quand les DVD sortaient, je parlais des laserdiscs. Et quand les VHS sortaient, je parlais de des 33 tours. Je sais pas quoi. Ouais, forcément, sous le fond bleu, c'est pas terrible. Un petit livret, ça c'est fait toujours plaisir. Ladies and gentlemen, welcome to a night at the opera. 1975. Ah ouais. À peu près des photos. Oh, qu'on doit retrouver dans le vinyle. Ouais, il me semble qu'il y a ces photos hein, dans le double album. Ah, c'est que des photos, pas de texte. Sympa. Belle photo noir et blanc. Et crédit. Ah, 24 décembre 75, donc c'est la veille de Noël. Très, très, très bien. Bon, ça commence bien. Hein, ça me met de bonne humeur. Allez. Et c'est le livre, alors. Il est un peu plus gros que ça. Je ne sais plus ce que c'est. Ah oui. Ah oui, je voyais plus gros. Hein, David Lynch. Bon, c'est pas de la musique. Désolé. Mais il est épais. Hein. Hein, il est pas très grand. Mais il est épais. Il a l'air... Très bon état. Jusqu'à présent, Momox, tous les livres que j'ai achetés, sauf les partitions musicales de Genesis, Weekend Dance, qui avait été, il y a une page découpée, voilà. Bon, une page où c'est blanche, il devait y avoir le nom de la personne, et elle a découpé, pas très heureux. Mais sinon. C'était pas cher ça. Mais sinon, tous les livres, non, en très bon état. Ah, Mulholland Drive. Ben, je tombe sur mon film préféré de David Lynch, je fais pas exprès. Mulholland Drive devait au départ être une série télé. Nous l'avons tourné dans l'idée que ce serait un pilote. La fin était ouverte pour qu'on ait envie d'en voir davantage.
J'ai entendu dire que le type d'ABC à qui appartenait la décision d'accepter ou pas le pilote l'a visionné à 6 heures du matin. Il regardait la télévision qui se trouvait à l'autre bout de la pièce tout en buvant son café et en passant des coups de fil. Il a détesté ce qu'il a vu, ça l'a ennuyé, alors il a éteint. Ensuite, j'ai tout de même eu la chance d'en faire un film, sauf que j'étais à court d'idées. Que les choses soient bien claires, on n'utilise pas la méditation pour aller à la pêche aux idées. On élargit le contenant et on en sort rafraîchi, empli d'énergie, pressé de partir ensuite à la pêche aux idées. Il y a deux fois pêche aux idées. Donc oui, c'est un livre qui est pas mal, je crois, axé sur la méditation transcendantale. Si je n'écorche pas le nom. Bon, c'est écrit assez gros, ça se lit, hein. Il y avait des notes positives, des notes négatives sur je sais plus quel site. Des avis comme quoi il enfonçait les portes ouvertes, David Lynch. Et puis d'autres avis comme quoi c'était un livre de chevet. Donc l'inverse. Mais voilà, je suis fan de David Lynch. Je sais plus combien c'était vraiment pas cher. C'est écrit en français. Bah, c'est l'occasion de l'avoir. Et c'est tout. Ah ouais, on n'a rien de plus. Bon, il y a d'autres trucs à venir. On va passer au vinyle. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Alors, comme d'habitude, ce morceau de scotch qui ne sert à rien. À rien. Voilà, j'ouvre. Un jour, hein, le facteur, il va se servir. Hein. Ça va que c'est souvent le même et je connais. Le facteur, il va servir et il va refermer. Hein. Alors, pourquoi j'ai acheté ce disque d'abord, avant de sortir? Je l'ai acheté parce que la pochette que j'ai est écrite, mais vraiment écrite à plusieurs endroits, devant, c'est très moche. Et je l'ai acheté à 5 euros, je crois, port compris, donc ce qui est un prix imbattable. Mais bien sûr, j'ai acheté pour la pochette. À la limite, le disque vinyle, il est scratché de partout, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est la pochette. À 5 euros la pochette, je suis très content. La pochette est en mauvais état. Je ne sais pas ce que je vais faire. On voit le haut déjà. Alors, le haut, ça commence bien. Ça commence plutôt très bien. Je ne sais pas si ça va continuer ainsi. Ah, il y a une tâche. Ah, il y a une tâche. Il y a une tâche, mais la pochette n'est pas écrite comme le mien. Il y a une autre tâche là, mais qui va s'en aller. On ne voit pas trop la caméra. Là. Ouais, on voit pas trop. Il y a une tache en haut, mais ça c'est pas très grave. Ça va partir. Cette tache-là, c'est le genre du café, ça partira pas. Mais ça reste discret. Verso. Ah là 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 là, on n'a jamais la perfection. Hein. Bon, je peux pas aller, c'était marqué acceptable. Là, je peux mettre un coup de marqueur, mais il y a les paroles. Ouais, dommage. Dommage. Après, c'est le. Ça coûtait 70 francs à l'époque. Hein. Ah! Alors, il est mieux que le mien, parce que le mien, c'est écrit là, là, enfin, vraiment, il est écrit à plusieurs endroits. Au moins, la pochette n'est pas écrite, elle présente forcément mieux. Je pense que je vais même m'en contenter. Hein. Dommage, il n'y aurait pas ce tache de café devant. Là, il serait vraiment, vraiment bien, le disque. Ah, puis là, enfin. Ah, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Donc, les paroles des chansons. Lavilliers. 1984. Ah, ouais, là, c'est taché aussi. Hein. Mais ça, c'est pas grave parce que je l'ai dans le disque. Ah, ouais, mais c'est taché de partout. Qu'est-ce que je vais vous lire? Le bal. Alors, le bal, elle est géniale. Je vois des danseurs fous tourner dans la lumière. J'aime ces guerriers joyeux qui n'aiment plus les guerres. Combien de souvenirs sur ces bras tatoués, j'ai dansé. Dansa, 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 nega de baya. Je danse avec ma fille que des garçons entraînent. Déjà, leurs yeux brillants lui font comme une traîne. J'aime les femmes rondes qui nous emmènent au bal tropical. Plus jamais penser à mourir, plus jamais penser à vieillir, plus jamais penser à dormir. Car jamais le soleil n'était monté si haut, jamais été si chaud, si chaud, si chaud, si chaud. Alors j'ai dansé. Dansa, 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 les gars des baïens. Donc, ouais,
C'est un bon album hein, de la Villiers avec ce tube. Hein. Et le vinyle, ma foi, il est. Oh, il est correct, le vinyle. Hein. Ouais, le vinyle est correct. Hein. Marque état acceptable, mais c'est quand même un état. Un bon état général. Voilà, mais qui n'est pas parfait. Donc, je trouve que l'état est bien noté quand même. Hein. Pochette, sous-pochette abîmée. Pochette. Tache de café et abîmé au dos. C'est mieux que ma pochette, mais c'est pas parfait. C'est dommage, la pochette aurait été parfaite à 5 euros, c'était très bien. Là, bon, on est dans l'état acceptable qu'ils ont annoncé. Je veux pas dire le contraire. J'aurais préféré au moins sans la tache de café. Bon, j'ai tenté. Je ne veux pas dire que j'ai gagné, mais bon, j'ai pas perdu non plus. Hein. Voilà, ça vaut 5 euros. Hein. Et bien sur ce, je vous remercie et je vous dis à une prochaine.